Bonjour Ingrid. Salut. Ça va? Ça va. Good. Écoute Ingrid, on venait de poser des questions sur l'atelier d'improvisation à l'OQTC. Quel timing! Je regardais des photos d'archives de l'atelier d'impro. Hmm. Ouais. Dis-moi Ingrid, il y a combien de personnes qui ont participé à l'atelier d'improvisation depuis le début? J'ai répertorié 44 membres. Ça, ça représente un membre actif sur quatre à l'OQTC. C'est parti de où, ça, l'atelier improvisation? Ce qui est génial, c'est une belle histoire à QTC. C'est parti d'une membre pour des membres. Donc, une membre est venue nous dire que ce serait le fun d'offrir un atelier d'improvisation. Elle s'appelle Cynthia Delisle. Par la suite, on est allé voir des professionnels de la LNI pour savoir comment monter un atelier. Ingrid, qu'est-ce que ça leur apporte aux membres qui participent à l'atelier improvisation? Sens de la répartie, travailler leur élocution, l'écoute, l'ouverture vers les idées des autres, le travail d'équipe, bref, la confiance en soi. Est-ce que l'improvisation peut servir d'outil de sensibilisation dans la population? Tellement. En fait, on a fait un spectacle LNI et à QTC au Club Soda l'année dernière et on en refait un cette année. Puis c'est des gens de la communauté qui viennent, des gens parfois qui ne connaissent pas du tout le traumatisme crânien. Alors de voir ces membres-là sur la scène se jeter dans le vide et donner tout ce qu'ils ont, mais je pense que c'est un excellent moyen de faire de la sensibilisation sur le traumatisme crânien. Combien de personnes étaient présentes l'année passée? L'année dernière, ils étaient 12 joueurs, incluant en fait deux membres de la LNI, c'est-à-dire Salomé Corbeau ainsi que Ève Landry, mais aussi notre arbitre, qui est également notre professeur au quotidien, Sophie Caron. Mesdames et messieurs, bon match! Jusqu'à ce que j'aille 5 ans et demi? Probablement, oui. Embrassez-vous. Le temps est si doux. Mais non seulement je n'ai pas l'âge, mais j'ai un feu sauvage. Alors, public en délire, encore un immense merci. C'est ça la crise, mesdames et messieurs.